Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est avec le Théa Guillotto. Petite vidéo pendant que moi je suis en vacances. Donc là j'ai vu qu'ils étaient de retour dans le secteur avant les colzas. Donc je vous propose du coup un petit chantier avec le 1000 et le FAP à l'avant. Comme d'habitude des tracteurs au ravitaillement. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude à la chaîne YouTube. C'est le plus grand soutien que vous puissiez faire à la chaîne. Prochain objectif les gars, les 40 000 abonnés. On y arrive très très vite. Donc je compte sur vous, abonnez-vous en masse à cette chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné. Allez sans plus attendre, c'est parti, bonne vidéo à tous. Bon, pour vous parler rapidement du chantier, vous commencez à connaître le 1042 Design Line avec derrière lui une PG28 et sa rampe de 30 mètres et à l'avant la pompe du coup FAP de chez Sanson qui permet du coup de ravitailler la tonne directement dans les tonnes de ravitaillement. Donc sur le chantier d'aujourd'hui, il se fait avec trois tracteurs qui vont directement à la méthanisation de Benet et le tracteur qui reste au champ, on n'a plus qu'à pomper directement dans la tonne sans avoir besoin d'aller jusqu'à l'usine. Il peut du coup rester au champ et on gagne beaucoup en polyvalence. Donc aujourd'hui, on est juste avant des colzas sur cette parcelle et on n'est pas environ 14 mètres cubes à l'hectare. Bon, vous le voyez, il y a le 700 qui arrive. On va aller faire un petit tour avec lui, je vous emmène à la métallisation tout de suite, c'est parti.